tu l'as tué. Dali, retiens-moi. On est filmé. Retiens-moi. Non. Pas maintenant. Non. Je le filme. Non. And that's called acting. Bonjour les gens. Salut tout le monde. Et bienvenue sur le plateau de tournage de la saison 2 de Martel. Il y a une nouvelle infirmière un peu bizarre qui rôde dans les couloirs. On ne sait pas pourquoi Reda est revenue. On ne sait pas ce que Louise a fait au lycée alors qu'elle était censée être partie faire son initiation chez les descendants. Il se passe beaucoup de choses et Victor, il est au milieu de tout ça et il comprend rien. Et on retrouve aussi l'ambiance collective. Tous les jeunes qu'on voyait dans la saison 1, Mélanie, Bastien, Hubert, Kylian, tout le monde est de retour. Je dirais que mon personnage, il est beaucoup plus débordé. Ouais, il a évolué. Bah regarde, il a troqué son col roulé noir pour un col roulé blanc. Donc c'est une grosse évolution. Sinon, il y a toujours les TN, bien comme il faut. Et là, ça, c'est une table magique. C'est la table des jeunes filles en L. Plus loin, c'est le soleil. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Dans la vie ? Ah ouais, grave. On est devenu un... Non, moi, je... Menteur. Non, on est devenu un énorme groupe de potes. On est une famille, c'est la famille. Il y a plus de bagarres, plus d'altercations, plus de contacts, donc plus de répétitions cascades. C'est important les moments comme ça justement pour avoir tout exactement en tête, pour pouvoir derrière aussi pouvoir prendre la liberté, pouvoir aller plus loin, quoi. Pouvoir jouer avec quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'avec l'adrénaline du tournage, à action, il y a un petit supplément qui fait que il y a beaucoup plus de chances de se blesser en fait. Mais il aime trop se faire mal en fait, il aime trop vivre le truc. Ah, tu vois, il kiffe quand il se fait vraiment mal en fait le mec. Si je pouvais faire toutes mes cascades sans cascadeur, je les ferais. Malheureusement, les prods ne me suivent pas encore là-dessus. Et j'espère dans quelques années, on laissera faire mes cascades. Et action! C'est une scène ultra intense, donc on peut pas la refaire 1000 fois, tu vois. Là, c'est ma doublure qui a pris le relais parce que, tu vois, tenir toute la journée, là, ça va être chaud. C'est chiant, mais ça va bien rentrer. Ça va être lourd. Ça va être lourd. Assume, fais-le. Bah là, c'est le costume Fight Club, parce qu'on est là pour se fighter et on va tout défoncer, on a tout défoncé. J'espère que vous avez regardé et je vous envoie de voir la suite. Alors là, on est dans la dressing room, c'est ici que tout se prépare, c'est ici qu'il y a tous les looks. Pour moi, la star au niveau du style de cette série, c'est Louisa. Elle a vraiment un style d'une jeune adolescente qui a un vrai goût pour la mode. Une vraie sensibilité pour les vêtements et même de son personnage, je trouve qu'il est deep dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Victor n'a pas de style, clairement, on se le dise. Toujours le même look, toujours le même t-shirt, toujours le même jean. L'international Sami Outalbali, / Sex Education, / Icon, qui s'habille plutôt pas mal, mais bon, il a les mêmes sables que OB, donc niveau originalité, c'est pas trop ça. Je changerai Sofiane. À part ses TN, il y a que ça. Il y a bien dans son look. Ousmane, grande icône aussi de la mode de la saison 2 de Martel. Et puis en plus, c'est un peu jaloux parce que Ousmane, c'est le personnage le plus stylé de la série. C'est qui ça ?
Ousmane, c'est qui ça? Je connais pas ce personnage. Salut Netflix. On tourne sur le toit d'un parking. Donc on a très froid, mais c'est trop cool. Ouais. C'est trop bien la nuit. C'est trop trop cool. Je sais pas, il y a une ambiance qui est différente. Il va se passer des trucs de dingue. Le public n'est pas prêt. À présent, nous l'y en est. Fossa ou c'est Fossaï. Kea ou c'est Keaï. Pas mal. Je suis chargé de plein d'émotions. Et elle, et genre, pas possible d'avoir un tournage paisible. Je crois pas, non. C'est une belle aventure mortelle, c'est une belle histoire. Action! Une soirée donc riche en émotions. On peut le voir. Tout le temps on pleure, tout le temps on est en sang, enfin je vous en conjure. C'est un truc de dingue mortel. On peut plus. Lessivé émotionnellement. Moi ça va.